Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un challenge construction. Je ne vais pas avoir de contraintes de pack, de couleur ou de saison, mais aujourd'hui, je vais avoir une restriction de temps. Je vais tenter de construire une maison à étage en 15 minutes seulement. J'avais déjà fait le challenge de faire une maison en 10 minutes, mais pour celle-ci, je m'étais contentée de faire un plein pied. Aujourd'hui, j'ai décidé de corser un peu la chose. C'est parti, let's go! 3, 2, 1, c'est parti! Alors, j'ai déjà réfléchi un petit peu à ma maison, histoire de gagner un peu de temps. Donc, je pense que je vais la faire comme ça. Elle sera assez simple. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas mal, ça, vous pensez comme taille. Je veux pas faire une maison trop grande non plus, parce que sinon, ça va être juste l'enfer. En haut, il me faut des chambres. Alors, 1, 2, 3, 4. Il faut au moins 4. Je vais faire 5. Je vais faire comme ça pour l'instant. Ensuite, il me faut des toits. Alors, toits, hop, vite, vite, vite. Non, pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, viens, par là. Je vais l'agrandir parce que je trouve que c'est plus joli. Ma souris fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi. Ici, je vais copier mon toit pour gagner du temps et je le mets là. Je vais le mettre à la bonne taille, comme ceci. Voilà, comme ça, c'est joli. Ensuite, je vais mettre un toit tout simple. Voilà, comme ça. Écoutez, c'est très bien. Je vais le raccourcir sur les côtés et je vais le baisser un petit peu. Je vais mettre un poteau par là. Ok. Je vais mettre mes portes et mes fenêtres. Je vais en mettre 3 côte à côte. En haut, je vais en mettre 2. Ici, je vais en mettre 1. Écoutez. Ah, mon poteau, il est mis au plein milieu. N'importe quoi. 2, 2. Il me faudrait une baie vitrée quand même à l'arrière. Je sais pas où sera mon salon. Écoutez, je vais déjà mettre mes fenêtres ici. Une là, une là, une là, une là. Voilà, c'est pas très original. Alors, les baies vitrées d'écologie, of course. Pour la couleur, j'espère que ça suit. On verra. Il me faudrait d'autres fenêtres en haut quand même. De là, allez, pourquoi pas de là. Et là, rien du tout, c'est bizarre, non? Peut-être deux, mais... Ah, les couleurs sont pas pareilles, c'est bizarre. Bon, écoutez, on va pas s'attarder là-dessus. Je vais changer... Je vais placer mon poteau qui flotte au milieu, là. Je vais le mettre au bon endroit. Est-ce qu'on n'a pas une autre couleur pour cette porte? Parce que là, ça suit pas du tout. Il y a quoi? Ça va à peu près. Ok, on part là-dessus. Je vais prendre celui-là, voilà. Un là, au-dessus. Un là. Un là, ok. Ici, je vais le monter très bien. Et je vais en mettre un autre ici. Tourner, hop, voilà. Oh non. Et voilà. Et je le monte jusqu'en haut. Très bien. Peinture maintenant. Allez, on perd pas de temps. Une peinture, je sais pas quelle couleur elle pourrait être cette maison. Jaune, allez, jaune. En haut, je mettrais bien un lambris. Lambris, c'est où? C'est là. Un lambris beige, voilà, pour que ça suive. Il me manque une colonne ici, non? Je vais changer le toit. Celui-là, moi, j'adore, donc c'est parfait. Je vais mettre une garniture de toit marron. C'est bizarre ou pas? Je sais pas. Je me rends pas compte. Celle-ci, je crois qu'elle va mieux. Je sais pas. Écoutez. On va passer à l'intérieur parce que sinon je vais perdre trop de temps. Il faut que je mette mon escalier. Oh, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ça arrive au bon endroit. Donc je vais délimiter mon étage. Il faudrait 2 chambres. Voilà, pour y accéder, ça fait une chambre 4 par 4. Là, bah, ce sera une toilette. Ok, bah écoutez, l'étage c'est nickel. En bas, je vais délimiter mes pièces un peu comme ça. Ouais. Ok, je sais pas, on va voir, je vais mettre des arches, voilà. Celle-ci, elle est... non, pas fan. Vite, 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 je peux pas m'attarder sur des détails pareils. Celle-ci, allez, on part sur celle-ci, une là, peut-être que je la bougerai après, on verra. Je vais peindre tous mes murs en blanc. Je peins l'étage, mon couloir, mon toilette, ça sera ma salle de bain. Je vais mettre mes portes. Porte, je mets, ouais, celle-ci en... comme ça, allez, hop, bah ici j'ai pas le choix, je vais mettre la poignée là par contre. Ici, une pour la salle de bain et une en face, c'est les toilettes, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas grave. Ensuite il me faudrait un sol, je vais mettre un parquet, c'est hyper chaleureux. Allez, celui-là, hop, on chipote pas. On chipote pas, je mets partout pareil. Écoutez, on verra ce que je peux faire. Par la suite, je vais mettre un peu d'éclairage parce que sinon vous allez rien voir et c'est hyper désagréable quand on construit. Donc je vais mettre cette petite lampe dans toutes les pièces. Voilà, on s'embête pas, je viendrai mettre des beaux luminaires à la fin si j'ai le temps, bien sûr. Voilà, j'ai mis des lampes partout, tous mes murs sont peints, tous mes sols sont recouverts. Allez, cette couleur, voilà, je la mets presque jamais. Écoutez, c'est hyper chaleureux dans cette maison, je trouve. Faut pas oublier une place pour la gazinière, je vais la mettre là et... Il y a un problème là, non?
Oui, il y a un problème parce que j'ai fait un trop petit trou pour magasinière. Ok, voilà. Hop, comme ça. Magasinière, je vais mettre celle du Mon Komorebi. Voilà, je la mets tout le temps maintenant, je l'aime bien. Il me faut des meubles comme ça. Je vais en mettre là, comme ça. Ça permet de meubler un petit peu. Une haute, s'il vous plaît. En blanc. Ouais. Voilà, il me faut un évier. Très bien, écoutez, ça sera là. Il me faut un frigo qui sera de ce côté. Je vais prendre un frigo blanc. Oh mon dieu, je suis stressée. Alors, vite, 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 il me reste combien de temps? 7 minutes 58. Je vais mettre un petit truc comme ça. Et après, on va arrêter de s'attarder sur les détails parce que... parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Voilà. J'ai rien oublié de primordial dans cette cuisine. Est-ce que je ne mettrai pas un micro-ondes vite fait? Je le mets où? Là. Allez. Ok, je viendrai changer les peintures après. Maintenant, je vais passer à la salle à manger. Voilà, ça sera ici. Table, table, table. Qu'est-ce que je peux mettre? Voilà, ça en chaise. Une toute simple. Toute simple. Celle-ci. Allez. En beige. Allez, ça va avec les coloris de la maison. Puisque pour l'instant, il n'y a aucune couleur. Alors, on peut pas se tromper. C'est nickel. Ici, je vais mettre le salon. Oh, j'aurais dû centrer mes fenêtres. Ici, je décalais. Faudra que je décale de l'autre côté après aussi. Un canapé, lequel? Celui-là, ça va être tout beige, tout clair, là c'est un peu fade. Écoutez, ça sera comme ça, il me faut une télé, alors un meuble télé, il n'y a rien que j'aime. Il n'y a que ça? Oh, écoutez, j'en trouve pas, donc je vais mettre ça. Ensuite, il me faut... ah non, regardez celui-là, au moins ça met un peu de rangement, non? En vert pour mettre un peu de couleur? La couleur elle est un peu fade. Oh, tant pis, je reste avec mon Komorebi. Je place ma télé. Est-ce que je peux mettre un tapis dans cette pièce? 6 minutes. Il est comment celui-là? Non, la forme, ça va pas. Mini maison, ça passe toujours, écoutez. Je vais mettre mini maison, je mets légèrement de biais pour donner un style. Et si je mettais une plante par là? Plante, plante, plante. Je vais la prendre là. Et je vais... je suis stressée. Je vais mettre une petite table. Une petite table basse. Ouais, avec un peu de couleur, ça peut être cool. Bleu, alors je change pas si je veux de la couleur. Hein, parce que si je mets l'autre, mais c'est plus joli. Ah, si j'en mets deux. Oh, purée, mais j'ai pas le temps pour ce genre de détails. J'ai pas le temps avec... non, pas ça. Hop, ma petite plante au-dessus. Voilà, j'espère qu'elle est bien posée. Écoutez, pour le salon, c'est fait. La salle à manger, on a déjà quelque chose. La cuisine, ça a l'air d'être bon. Il me reste 5 minutes, faut absolument que j'attaque l'étage. On va commencer par la salle de bain. Alors, salle de bain, elle sera... oula, 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 mon ordi, qu'est-ce qu'il fait? Je vais mettre celui-là, il y a les petits éléphants qui sont trop mignons. C'est celui-là, parfait, ok, on a ça. Les fenêtres, elles sont centrées, ouais. Je vais mettre un plan de travail en blanc. Écoutez, ça va avec tout, j'en mets deux. Je vais prendre le premier évier que je trouve. Double vasque, on adore. Il me faut un miroir, lequel vert kaki, pourquoi pas, pourquoi pas. Il me faut un tapis dans cette salle de bain. Tapis, celui-là, je crois qu'il y a du vert. Il est où? Du vert normalement. Oui, il y a du vert. Écoutez, ce sera une petite salle de bain mignonne comme ça. Très bien. Une serviette, 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 serviette. Je vais mettre ça comme ça. Il faudrait que je change quand même le sol pour mettre un carrelage dans la salle de bain. 4 minutes, il me reste 4 minutes gris. C'est un peu fade, c'est un peu fade. J'en ai pas un autre. Ouais, je vais... non, j'aime pas. Un beige? Beige. Écoutez, dans cette salle de bain, je trouve que ça va mieux. Ensuite, je vais changer les murs. Je vais mettre un carrelage simple. Écoutez, voilà, je vais mettre ce carrelage blanc. C'est pas très beau, c'est pas très moderne. C'est pas grave, il faut que j'attaque les chambres parce que sinon... mon téléphone s'est coupé. 3 minutes 45. Il me reste 3 minutes 45. Pareil. Ah oui, mes fenêtres sont pas centrées, mais c'est normal, regardez. Du coup, normalement... c'est bon, parfait, on adore. Donc il me faut les petites tables de nuit de Mon Komorebi. Je voulais les autres, mais c'est pas grave, je vais mettre celle-là. Est-ce qu'on a des lampes? Vite, vite, vite. Est-ce qu'on a le temps pour penser à ce genre de choses? J'ai pas le time. Oups! Non, non, vite, mets-toi dessus. Voilà, toi je t'avais mis comme ça. Ensuite il me faut un placard, placard, chambre. Je vais mettre celui-là. Voilà, cette chambre est faite, il est pas collé du tout. Voilà. Pour cette chambre, je vais mettre un lit simple. Il me reste 2 minutes 42. 2 minutes 42, un lit simple, comme ça. Pourquoi les meubles ne se collent pas quand on les pose? Écoutez, je vais mettre celle-ci. Les coloris, c'est pas exactement pareil. Mais, oh, j'ai pas de toilette. Un toilette. Un toilette. Parfait, il me faut du papier toilette. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je peux rajouter dans cette chambre? Il me reste 2 minutes. Un bureau. Ah, je vais mettre un ordi, voilà. Comme ça, elle sera un petit peu... fonctionnel. Voilà, cette chambre est faite. Il y a des rideaux nulle part. Est-ce que je mettrais pas des rideaux? Elles sont hautes là, les fenêtres.
Voilà. C'est lesquels les rideaux qu'il faut, je sais plus. Ah, c'est... non, ils sont trop petits. Écoutez, je crois que je vais pas mettre de rideaux. Je vais pas mettre de rideaux parce que il me reste 1 minute 31. Je vais mettre un porte-manteau dans mon entrée. Ici, j'aurais bien fait un placard en réalité, mais là, franchement, j'ai pas le temps. Je vais mettre un tapis. Hop, un porte-manteau dans des ordres. C'est celui-là, voilà. Regardez, il y a quand même quelque chose dans mon entrée. J'ai pas mis de rambarde, c'est un peu dangereux. Rambarde, il me reste 1 minute, 1 minute. Pour l'extérieur, j'aurais bien mis quand même au moins un petit chemin. Chemin. Celle-ci, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Un arbre, s'il vous plaît. Alors, hop, un petit arbre comme ça. On n'a pas le temps de chipoter. Des jardinières, celle-ci, je l'ai déjà mis la dernière fois. Je vais changer quand même. Celles-ci, elles sont mignonnes. Après, c'est un peu tout ton sur ton hein, dans cette maison. Est-ce que je peux rajouter d'autres? 18 secondes. À l'intérieur, je peux. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cuisine, oui. J'aurais pu mettre un meuble dans le salon. Meuble, c'est pas ça que je voulais. Décoration. Confort, surface, confort. Surface! C'est ça? Oui, je. J'ai plus de place pour. Au mieux. Ah! Perdu! Enfin, perdu. Fini en tout cas. Oh mon dieu! Bon, elle est meublée. Elle est très, très simple. Mais en 15 minutes. J'ai quand même réussi à faire ce petit bout de maison. Ici, nous avons l'entrée avec l'escalier. Ici, j'aurais aimé créer un petit placard, mais je n'ai pas eu le temps. Ensuite, ici, nous avons une grande cuisine, la salle à manger et on a un petit salon. J'ai quand même réussi à mettre une plante et un tapis. À gauche, nous avons une salle de bain. J'ai mis une baignoire ainsi que deux vasques. J'ai eu le temps de changer quand même le carrelage et la peinture des murs. Et ensuite, en face, on a deux chambres. On a une chambre avec un lit simple, un bureau et un ordinateur. Et ensuite, ici, dans cette chambre, j'ai mis un lit double, deux lampes et un placard. Voilà ce que j'ai eu le temps de faire en 15 minutes. Je vais continuer de la meubler hors caméra pour vous montrer ce que j'aurais aimé faire si j'avais eu un peu plus de temps. Elle est prête, je vous propose maintenant de la visiter. Pour l'extérieur, je n'ai pas changé grand-chose à part quelques finitions et bien sûr, j'ai réajusté correctement les fenêtres. À l'arrière de la maison, j'ai créé une terrasse et j'ai placé une pergola. Dans l'entrée, j'ai rajouté un mur de couleur, j'ai déplacé le porte-manteau et j'ai créé des rangements dans le renfoncement. Dans la cuisine, j'ai mis des carreaux de métro bleus qui font partie du jeu de base. Je trouve que cette couleur fait bien ressortir les meubles. En passant sous cette arche, on arrive dans la salle à manger. J'ai retiré deux fenêtres afin de pouvoir placer des tableaux. J'ai rajouté une petite commode et quelques décorations. Dans le salon, j'ai rajouté les fameux rideaux que je n'ai pas eu le temps de trouver tout à l'heure. J'ai placé aussi une étagère qui fait partie du pack écologie et trois tableaux au-dessus du canapé. Ensuite, dans la première chambre à l'étage, j'ai rajouté plein de choses car elle était très très vide. Au-dessus du bureau, j'ai mis des étagères qu'on a dans le kit d'objets Tricot de Pro. Je les trouve adorables pour décorer des chambres d'enfants. Ici, j'ai rajouté des rideaux, j'ai peint les murs, vous voyez la différence. Et enfin, pour la deuxième et dernière chambre de cet étage, j'ai complètement changé la disposition des meubles et j'ai rajouté quelques nuances de vert. Et voilà, ce challenge est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi à relever le défi. Vous pouvez également me suggérer d'autres challenges que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !